La Rochevaisseau, leader, recevait le Val d'Orge 7e ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Pas grand-chose à signaler dans la première période. Une occasion pour Julie Pacroux du côté de La Roche. Le Val d'Orge qui se procure également quelques situations. Mais c'est assez logiquement que les deux équipes se quittent sur un 0-0 après 45 minutes. En seconde période, ça s'anime un peu plus. 52e minute, centre de Claire Michneau. Le ballon passe devant le but et il est repris par Audrey Nicolas au deuxième poteau. La Roche ouvre le score 1-0. Charlotte Pellerbe ensuite va faire son entrée en jeu sur le front de l'attaque, un coaching gagnant puisque quelques instants plus tard, elle est servie par Julie Pacroux et elle décoche une superbe frappe qui trouve le petit filet opposé. 2-0 pour La Roche ESO, les Lyonnaises qui ont plusieurs occasions de tuer le match avec notamment ce face-à-face perdu par Claire Guillard. Il n'y aura pas de nouveau but, c'est une victoire 2-0 pour La Roche ESO, 4e victoire de la saison.